Private Joe. Private Joe, c'est quoi? C'est un nouveau plateau d'artistes. Ça va être peut-être bientôt, je l'espère, le The Place to Be dans le monde de l'humour, plus particulièrement du stand-up. Il va avoir 5-6 stand-uppers qui vont s'enchaîner et du haut de gamme. Vous allez voir la sélection. Suivez-moi pour Spot Comedy. Personne ne m'aurait refusé. J'ai eu cette chance, ça aurait pu être ailleurs. Moi, mon but, qui était tout simple, c'était d'avoir une petite cave dans Paris comme tout le monde. À la base, vraiment... tu voulais faire Ouais, j'avais pas de prétention à faire un truc énorme. Je voulais un truc vraiment très très simple, atypique, chaleureux. Et comme je te disais, voilà, là c'est l'occasion qui fait de la roue. C'est toi qui les choisis. Exactement. C'est toi qui les appelles. Exactement. Et puis, il y en a certains qui viennent aussi à moi et ça me touche beaucoup. Ouais, je suis agréablement surpris de voir des personnes qui m'appellent et qui veulent bien jouer à la maison. Parce que j'aime à me dire que c'est à la maison, à la boîte franquette et on se prend pas la tête. Le lieu est classe, mais j'ai envie de garder cette essence même de la rigolade. Le bilan est positif. Les artistes sont super à l'aise sur la scène, ça leur correspond, il y a de la moquette, il y a de la lumière, j'essaie de les recevoir dans de très très bonnes conditions. Ah ben là, c'est parce royal. Que sans eux, sans eux, il n'y a rien. J'ai envie de te dire que... Je rentre chez moi et je fais de la vaisselle. En gros, c'est ça l'idée. Mais j'essaie de faire une disposition de salle qui permet justement d'être en contact avec des gens que tu ne connais pas. Le mec il rigole, on va rigoler ensemble. L'idée c'est ça, c'est de partager. C'est communicatif en fait. C'est ça, ouais, exactement, ouais. Que ce ne soit pas impersonnel. Non, super, franchement, ouais, bien rigolé, et en plus c'est bien de voir un petit peu les différents profils en fait, les différents comiques, c'est ça. Je les ai tous trouvés marrants, mais vraiment Félix est très bon, et voilà, c'était hilarant, et c'est bien d'être là, d'être le, comme ils ont dit, le précurseur, et d'être présent au début, parce que ces petites stars peuvent devenir les futurs Kev Adams, ou des grands comme Kev Adams. Alors le Private Joke c'est terminé, Spot Comedy était présent, on valide. C'est 6 artistes de qualité qui s'enchaînent les uns aux autres. Ça commence à 21h, c'est tous les samedis soirs à Paris. Il fait un peu froid donc j'en perds mes mots. Mais en tout cas, nous on vous invite à y aller et on vous mettra tous les liens en fin de vidéo. Merci, ciao.